Dans cette nouvelle vidéo, je vais tester des recettes de slime. Oui, je dis slime parce que ça a perturbé tellement de monde que je le dis à la française. Bref, première recette, c'est le slime maïzena et liquide vaisselle. Donc vous allez prendre un petit récipient dans lequel vous allez verser du liquide vaisselle, la dose que vous souhaitez, et ensuite vous allez rajouter de la maïzena et vous allez mélanger. Ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter de la maïzena jusqu'à ce que vous obteniez une pâte qui colle plus à vos doigts. Voilà, comme ça. Et donc je dis que ça marche, oui et non, parce que si on entend slime dans le sens c'est une pâte avec laquelle on peut jouer, oui ça marche, mais c'est pas extensible et ça fait pas vraiment la même consistance que la vraie slime. Recette numéro 2 que je teste, c'est le slime colle et lessive. Donc vous prenez une lessive, moi je vous conseille d'utiliser la Xtra Total, et de la colle, la Scotch marche, et aussi les bâtons de colle de chez Action, si vous avez un Action près de chez vous, ils marchent et ils sont vraiment pas chers. Donc vous allez prendre 3 récipients de la même consistance, vous allez mettre une dose de colle, la même dose de lessive et la moitié de la dose en eau. Donc j'insiste vraiment, il faut respecter ces trucs là parce qu'après vous me dites ça marche pas, je comprends pas, pourtant j'ai la bonne lessive, j'ai la bonne colle. Il faut vraiment respecter les doses. Donc vous mettez votre colle, vous mettez l'eau et vous mélangez les deux ensemble. Ensuite vous allez rajouter la lessive et vous allez mélanger et normalement il y a tout de suite quelque chose qui se forme. Ensuite vous faut finir de malaxer à la main. Donc moi c'est vachement liquide, normalement ça fait pas ça, mais c'est la colle de chez Action qui fait ça en fait. C'est plus liquide que si vous utilisez la scotch. Et ensuite eh ben, vous voyez que ça forme la slime bien extensible. Là le d'ailleurs, je sais pas si on dit le slime, je pense plutôt. La troisième recette que je teste, c'est la recette avec le gel douche. Donc il vous faut du gel douche, du shampoing et du sel. Vous allez prendre un récipient dans lequel vous allez verser du shampoing. Vous allez essayer de mettre la même dose en gel douche. Vous mélangez. Et ensuite vous rajoutez une pincée de sel. Et vous mélangez. J'ai l'impression qu'avec le sel c'est devenu plus liquide. Donc j'ai pas trop compris à ce moment-là parce que ça faisait beaucoup plus pâte avant. En tout cas, ensuite, il faut mettre ça une demi-heure au congélateur. Donc là, j'ai sorti du congélateur et c'est exactement pareil qu'avant. C'est tout liquide, ça fait pas du tout un slime. Donc, en tout cas, pour moi, ça n'a pas fonctionné. Recette numéro 4, c'est celle avec du dentifrice. Donc pour ça, il vous faut du sucre, de l'eau, du dentifrice et de la colle. Vous allez commencer par mettre de la colle dans un récipient, donc moi j'ai utilisé la scotch. Vous allez mettre du dentifrice et vous mélangez. Là en mélangeant j'ai eu l'impression que ça faisait déjà un petit peu une pâte slime mais que c'était encore vachement collant. Donc du coup j'ai rajouté le sucre et l'eau et j'ai remélangé. J'ai l'impression que ça veut marcher un peu donc du coup j'ai voulu finir de malaxer à la main comme j'ai fait pour la lessive. Pour voir si ça marchait et en fait c'est vraiment beaucoup trop collant. Donc du coup je sais pas trop ce qu'il faudrait changer mais je pense que c'est une des recettes qui marcherait le mieux. Conclusion, pour moi il y a vraiment que la recette avec la lessive qui marche correctement. J'ai essayé d'autres variantes, hein. J'ai essayé dentifrice sel tout seul, de shampoing sel tout seul et franchement il y a que ça qui marche pour moi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.